Molitva za zdravlje duše i tijela. Prions pour la santé de l'âme et du corps. Gospodine Isuse Christe. Seigneur Jésus Christ, ti si došao na svijet, tu es venu dans le monde pour nous révéler ta bonne nouvelle, pour que chaque personne sur la terre puisse avoir la vie éternelle. Tu ne te lasses jamais d'annoncer au monde entier le message du salut, ta bonne nouvelle. Tu as voulu qu'elle parvienne jusqu'au bout du monde, jusqu'à chaque personne, surtout à ceux qui sont marginalisés, pauvres et rejetés. I za vrijeme svoga zemaljskog života, dans ta vie terrestre, čovjeku, tu as toujours avancé vers les autres pour leur tendre ta main, pour les relever de leur faiblesse. Si ga na poseban način, ou particulièrement, tu as voulu relever l'homme de la boue du péché et lui donner une nouvelle chance. Za život u zajedništvu s tobom. Hvala ti, Gospodine. Pour lui donner la vie en communion avec toi. Merci, Seigneur. Fala Christe. Fala Christe. Kvala Christe, kvala Christe, kvala Christe, dzięki, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Gospodine Isuse Christe, Seigneur Jésus-Christ, biti bliz svakom čovjeku, aujourd'hui encore, tu veux être proche de tous comme tu l'as été lors de ta vie terrestre. Aujourd'hui encore, tu veux que chaque personne ressente la joie dans sa vie, sur le chemin qui est souvent rempli de difficultés, défis et de croix. Toujours et dans, à chaque instant de l'histoire, tu veux être Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que tu es le Dieu qui est toujours présent avec, auprès de son peuple, dans ton Église et auprès de chacun d'entre nous. C'est pourquoi tu es devenu homme, tu as pris chair. Dans notre histoire humaine pour nous montrer le chemin, pour nous éclairer de ta lumière divine, pour nous donner la force de porter le poids de nos croix. Sois toujours avec nous, Seigneur Jésus. Grazie.
Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Gospodine Isuse Christe, Seigneur Jésus-Christ, tu continues ton œuvre de salut à travers ton Église. Aujourd'hui, tu demandes à chacun de nous, invites chacun de nous à répondre à ton appel qui nous est adressé dans l'Évangile. Suis-moi. Tu nous appelles à te suivre pour continuer à annoncer au monde ta bonne nouvelle. Aide-nous, Seigneur, à nous détacher de tout ce qui nous pèse et nous bloque. Donne-nous de te suivre avec joie tout au long de notre vie, être tes mains tendues vers ce monde pour que les autres, à travers nous, à travers notre vie, nos paroles, puissent sentir ta présence et ta consolation divine. Libère-nous, Seigneur, de tous nos attachements. Donne-nous la santé de l'âme et du corps pour que, avec une plus grande détermination et avec force, nous puissions te suivre et rendre témoignage à ceux à qui tu nous envoies. Seigneur, sois avec nous sur notre chemin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous, vos familles et tous ceux pour qui vous avez prié, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.